Salut à tous, c'est Nune, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la customisation du tout nouveau véhicule qui est juste ici les gars, ouais. Mais attends, là on fait pas une vidéo le pire garage le plus moche de GTA? Non, on va customiser cette nouvelle voiture. Alors, on est d'accord, vous avez pas regardé le prix les gars? Non. Alors, le tout nouveau véhicule, du coup, bah, on va rentrer dedans, vous inquiétez pas, je vais le montrer aux gens. Et estimation les gars, quand vous le voyez comme ça, vous vous dites le véhicule, vous pensez que Rockstar ils l'ont mis à combien? Genre la salle, Eden. On va commencer par Eden. Vas-y Eden. Moi je dirais... Non vas-y la salle, vas-y. Non vas-y toi. Non vas-y toi, vas-y. Non vas-y tranquille toi. Moi je pense qu'il doit coûter genre... triche pas. Non, je pense qu'il doit coûter, selon Rockstar et tout, les véhicules sont extrêmement chers, je dirais 2 millions. 2 millions 100 genre, un truc comme ça. Et toi la salle? Non, moi je dirais moins déjà. Ouais. Parce que ça reste quand même un 4x4. Hein. Je dirais dans les 1 million. 1 million. Je vais afficher le prix en même temps que les. En même temps. Allez, 1 800. 1 877 000, un truc comme ça. Allez, 1 877 000. Je dirais 1 877 000. Elle est magnifique celle-là. Non? Alors, 1 877 500, bien joué à la salle, franchement, t'es trop fort. Je prends du coup la salle, what the putain, fuck. Putain, je me disais, mais merde, comment... Mais ouais, j'ai trouvé. Alors, le véhicule s'appelle Canis Terminus. Vous savez pourquoi il s'appelle Terminus ou pas? Parce que tout le monde descend. Parce que c'est le dernier véhicule de GTA V. Il n'y aura plus de véhicule, les gars. C'est le dernier véhicule de GTA V. Allez, vous pouvez monter, monsieur. Ah, merci beaucoup. En allez, tout cas, allez-y. Alors du coup les gars, c'est vous qui allez choisir la customisation les gars, c'est un petit concept, voilà, c'est vous choisissez. Comme la dernière fois, la salle t'avais choisi la customisation bah, du coup du nouveau véhicule. Je vous montre ce qu'il y a, vous me dites stop. Voilà. Alors, du nouveau véhicule, ouais. Alors vous avez le plus cher, c'est lui là. On va faire du moins cher, donc moins cher c'est ça. Mais c'est quoi là que tu changes? Les ailes sur le côté. Ah. Voilà, le plus cher c'est lui, est-ce que je mets le plus cher? Ouais. Blindage bouclier, blindage renforcé. Ouais. Alors, ouais, vous avez la technologie Imanitech hein, au passage. Ouais, alors, pare-choc, les gars, vous voyez ou pas pare-choc avant? Regardez le pare-choc avant, les gars. Ouais. De quoi? Ouais. T'as complètement pété les plombs, toi. Pare-choc avant. Donc, vous avez court. Court projecteur, lourd pain. Ouais. Ou par buffle. Ouais. Bah, comment ça? Vous voulez lequel? Dites-moi stop. Ouais. Celui-là? Ouais. Ou pain ou pas pain? Ouais. Celui-là. Ouais. Celui-là? Ouais. 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 Alors, pare-choc arrière, les gars. Ouais. Lourd pain, utilitaire ou utilitaire pain? Ouais. Allez. Ouais. Ensuite, nous avons le pare-choc, les gars. Pare-choc, pardon, portière. Donc, vous avez en tube, recharge en tube, tube léger, oblique horizontal, maille perforée, maille effilée. Ouais. Ouais. Ok, moteur niveau 4, pas besoin de vous demander. Alors, les pots d'échappement, les gars, maintenant regardez les pots d'échappement. Ah. Alors, on a échappement recouvert, chromé, x4, x4 chromé. Ouais. J'imagine que c'est le x4 chromé. Alors, calandre, regarde. Oh, regardez les calandres là, ça fait un peu genre aigle, yeux d'aigle en biseau. Ouais. Donc en carbone, recharge. Ouais. Agressive. Ouais. Agressive pain. Ouais. Lourde pain. Ouais. Et lourde en carbone. Ouais. La salle. Ouais. Ouais. Capot. Alors je vous montre un peu ce que vous avez. Ouais. Vous avez des éditions limitées. Ouais. Bombé vite ventilé. Ouais. Ok. Ouais. Ensuite, bon,
Technologie Manitech, on va vraiment Ouais. mettre, c'est de la merde. Ouais, 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 Éclairage, phare xénon, kit ouais. néon, support Ouais, néon, on verra la couleur ouais. après. Motif. Alors, est-ce qu'on met un motif ou sans Ouais. motif? Vous me dites. Ouais. 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 Voilà. Sans motif, j'imagine. Ok, sans motif. Plaque. Bah, plaque. Plaque. Jaune sur noir. Hein. Mine glissante. Peinture. Alors, peinture, est-ce qu'on laisse jaune ou vous voulez changer? Alors, métallisé, je vais vous mettre les couleurs, vous me dites stop. Caméléon. Ah ouais, vous avez complètement passé du coup. Matt. Matt? Non? Alors, on laisse jaune ou on met du mat? Couleur crew, peut-être couleur crew, non? Ouais, allez, couleur crew. Couleur secondaire. Couleur secondaire, les gars. Alors, couleur secondaire, on peut. Le rouge se marie bien avec, avec le blanc, généralement, on peut voir. Mais vous êtes complètement malade. Vous avez. Alors, toi, les gars, toi, toi. Alors, toi de série, toi retiré. Toi pain. Incliné ou safari. Ouais. Ouais, ça, on est d'accord. Alors, bas de caisse. Alors, vous avez marchepied comme, comme sur les Mercos. Comme ça en tube. Comme ça. Ou comme ça. Ouais, ça veut dire ouais. Roue de secours, est-ce qu'on se la met ou pas? Alors, retirer. Ok. Barre utilitaire. Normal. Comme ça. Carbone ou. Ah, mouais. Donc, j'imagine, c'est pas ça. Ça? Ok. Turbo, c'est bon. Roue. Bah, les roues, on laisse deux séries, je pense, parce qu'elles sont magnifiques. Apparemment, amélioration des pneus, c'est bon. Fumée de pneus, on met du rouge. Raconte pas ta vie, fils de pute. Waouh, mais vous êtes complet. Vous avez. Tu sais que vous avez pété les plombs. Alors, éclairage, kit néon, support néon, non, fusion, couleur crew. Et du coup, les gars, il nous reste plus qu'un seul truc, je crois. Hein. Vitre, bah, il n'y a pas de vitre. Bonjour, monsieur, dame. Il n'y a pas de vitre. Accessoire de pare-brise. Ah ouais. Pain comme ça, ouais, c'est pas mal. Ok, et bah écoutez, les gars, on a fini la customisation de la toute nouvelle voiture. La Canis Terminus est un véhicule tout-terrain. Et maintenant, on va tester. Waouh, il est beau. Hein. Alors, vraiment, je kiffe, les gars. Alors, déjà, c'est un décapotable. Attends, c'est pas un électrique, non? J'essaie d'écouter le bruit, les gars. Bon, déjà, franchement, je trouve qu'il a une bonne. Alors les gars, je trouve qu'il a une bonne tenue de route en vrai. Vous en pensez ou pas? Si, 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 il a une bonne tenue de route, miniature, hein? Alors, franchement, les gars, il a une bonne tenue de route, hein? Waouh!
Ouais. Ah ouais, j'ai vraiment envie de tester en parcours. Ouais. Mais t'as complètement craqué, Delin, je te le dis. Ouais. Voilà, la customisation. Oh, fais gaffe la salle. Waouh. Ouais. Hey, il résiste, hein? Waouh. Ouais. 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 Eh ben ouais. Ouais.